Donc là, je fais fichier, ouvrir. Je vais chercher ma photo. On fait ouvrir. Je sélectionne le rectangle de sélection. Je clique et je déplace avec la souris. Je détermine les limites. Et je vais sur la petite icône rogner selon la sélection. Et voilà. Donc l'image est déjà ouverte. Hein. Je prends le rectangle de sélection qu'on a vu tout à l'heure. Je fais un clic, je sélectionne. Et je vais sur rogner. Donc là, je reviens en arrière. On va prendre le lasso. Donc là, il faut être très habile avec la souris. Hein. Il faut manœuvrer autour. Donc, je rogne. Je reviens en arrière. L'ellipse. Et on va toujours chercher l'icône rogner. Et ensuite, la gomme. Donc la gomme, on efface tout ce qu'il y a autour. Donc tous ces outils, ah là je peux sélectionner la largeur de la gomme, si on veut aller plus vite. Donc tous ces outils sont un peu complémentaires les uns des autres. Hein. Après on choisit l'outil par rapport à la photo. Par rapport au résultat que l'on veut. Donc là, ce sont les outils les plus simples.